que tu n'es plus la femme de mon papa. Wow, oh, oh, je comprends maintenant pourquoi ma lessive n'a pas été faite. Oh, que c'est un complot. Dosso, dosso. Si nous n'avons pas été simple, il y a tout. Mon voisin, mon zigaï de quoi? Zigaï de quoi? Et de nous, Thérèse, qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui fais communiquer dans le quartier partout que moi je dois quitter la cour. Quand je t'ai demandé l'argent de la caution, tu m'as donné. Je suis la mère de ton fils. Moi j'envoie Cécilia et je lui dis de ne pas partir. Thérèse, calme-toi, calme-toi. Hein? Cécilia. Oui, papa. C'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ange est qui pour toi? C'est ta femme, donc ma maman. Et Thérèse? C'est la même chose. Même chose là, ça veut dire quoi? De ça, faut lui demander. Ça veut dire quoi la même chose? Ça veut dire que c'est ta femme aussi, c'est ma maman aussi. Donc les deux femmes là sont égales, n'est-ce pas? Oui, papa. Et pourquoi quand Thérèse t'envoie et que Ange te demande de ne pas partir, tu ne vas pas? Maman, Ange ne m'a pas dit ça. Je devais sortir. En plus, tu la protèges. Hein? Et Ange! Ange! Ange n'est pas là-bas. Tu crois qu'elle va te répondre? Elle ne peut pas te répondre. Cette femme-là, ne te... c'est pas ta femme de sauce. Et Ange! Quand tu m'appelles là, je cours pour venir. Ange! Mais c'est pas possible. Une femme doit reconnaître la voix de son mari, ça même va, en plein marché. Calme-toi.